ministère de l'Élevage, prioriser la sécurité alimentaire. Du budget de l'État devrait être investi dans la promotion du développement rural, ce qui n'est pas encore le cas dans la Grande Île. Conscient que Madagascar dispose d'importants potentiels, étant donné que la majorité de sa population dépend de l'agriculture et de l'élevage, le gouvernement s'est engagé dans ce sens. C'est ce qu'a fait savoir Yanta Rangemanjat, ministre de l'Élevage, à l'issue de l'atelier de lancement de la plateforme politique Élevage Madagascar, qui s'est tenue dans la salle de réunion du DLC à Anoussi. Yanta Rangemanjat a profité de cette occasion pour annoncer que la sécurité alimentaire constitue une priorité pour son département. D'ailleurs, le thème adopté par l'Union africaine pour cette année est l'agriculture et la sécurité alimentaire. Yanta Rangemanjat a noté que le financement octroyé à Madagascar dans ce secteur par cette organisation continentale est estimé à 150 000 dollars. De ce fait, la mise en œuvre de la politique nationale de l'élevage s'avère incontournable et le ministère de tutelle a du travail sur la planche, estime la ministre. Le principal objectif étant de rétablir la confiance des bailleurs de fonds, mais également le retour des financements.